étudiante des universités, école supérieure, licence, maths sup, maths spé. Je vous propose un calcul d'intégrale, calcul intégrale que vous voyez ici en face. Alors, la première, zéro un dt, un plus exponentielle de t. Changement de variable. X égale exponentielle de t. Dx égale exponentielle de t, dt. Donc dt égale dx sur x. Alors, de 0 à 1, dt, 1 plus et. Sans oublier que lorsque x, lorsque t égale 0, x est égal à 1. Quand t égale 1, x égale e. Donc, ceci va me donner de 1 à e, quoi? Dx sur x facteur de 1 plus x. Le 1, x facteur de 1 plus x, je peux le décomposer en deux fractions. A sur x plus b sur x plus 1. Ça veut dire ax plus 1 plus bx sur x facteur de x plus 1. Autrement dit, c'est a plus b x plus a. J'identifie a plus b égale 0, a égale 1. Et de là, b égale moins 1. 1 sur e dx sur x facteur de 1 plus x, c'est quoi? C'est intégrale de dx sur x de 1 sur e moins l'intégrale de dx sur x plus 1 de 1 à e. La première, c'est log de x de 1 à e. La deuxième, c'est log, puisqu'il est positif, donc x plus 1 de 1 à e. Alors, ça va faire log de moins log de 1 moins log de e plus 1 moins log de 2. Ça va donner log de 2, c'est égal à 1. Log de 1, c'est 0. Ça fait 1 moins log de e plus 1 plus log de 2. Donc l'intégrale de zéro à dt plus
exponent de t, c'est 1 plus log de 2 moins ln e plus 1. Alors, je passe à la seconde. De 1 à 3, racine carrée de t, t plus a, dt. Avec changement, x égale racine de t, dx égale dt sur 2 racine de t, c'est-à-dire dx sur 2x. Donc, dt, 2x, dx. Si t égale 1, x est égal à 1. Si t égale 3, x est égal à racine de 3. Je vais remplacer. Donc, 1 à 3, égale 1 sur racine de 3, x, 2x dx, sur x2 sur a. Autrement dit, c'est 1 jusqu'à racine de 3 de 2x2 sur x2 plus a dx. Je peux l'écrire autrement. C'est 2 de 1 à racine de 3 x2 sur x2 plus 1 dx, ou bien 2 de 1 racine de 3 x2 plus 1 sur x2 plus 1 moins 1 jusqu'à racine de 3 de dx sur x2 plus 1. La première, c'est 2, 1 racine de 3, c'est dx, moins l'arc tangente de x de 1 racine de 3. Ça fait ici 2x, 1 sur racine de 3, moins arc tangente de x, 1 sur racine de 3. Je continue, ça fait 2 racine de 3 moins 1 moins racine de 3, c'est pi sur 3, moins pi sur 4. 2 racine de 3, moins 2, moins 2, 4 moins pi, c'est pi,
sur 12. Racine de 3 moins 2 moins pi sur 6. Donc c'est ça la valeur de 1 sur 3 racine de t sur t, t sur t plus 1. Je vais passer à la troisième. Moins 1, 1. 1 moins t2 dt, mais racine carrée. Changement de variable. T égale sinus θ. Dt égale cosinus θ dθ. Si t égale moins 1, θ égale moins pi sur 2. Si θ égale 1, θ égale pi sur 2. Alors, moins 1 racine de 1 moins t2 dt est égal à moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 de 1 moins sinus carré θ cosinus θ dθ. Un moins cosinus θ, c'est cosinus carré θ, cosinus θ dθ. La racine carrée de cosinus carré, c'est cosinus θ. Donc, cosinus carré θ dθ. Puisque ici, je vais avoir cosinus θ. Multiplié par cosinus θ, ça fait cosinus carré θ. Mais comme je connais les formules de trigonométrie, donc je vais les appliquer, ce qui fait moins pi sur 2, ça va me faire cosinus 2θ plus 1 sur 2. Voilà. Alors, je vais appliquer donc la première. Cosinus de θ de θ de θ plus 1 demi de dθ de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Ici, c'est 1 demi, donc 1 quart de sinus de θ de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 plus 1 demi. Un demi de quoi? De θ de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. C'est-à-dire, je vais changer sinus de θ pour pi sur 2, c'est sinus pi, donc c'est 0. 0 plus un demi de quoi? Pi sur 2 moins pi sur 2. Donc pi sur 2 plus pi sur 6, c'est pi. Donc pi sur 2, totalement, c'est pi sur 2. Moins 1, 1. 1 moins t2 dt
est égal à donc terminé.